rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est du Pac-Man. Gentil petit bonhomme, poursuivi par les fantômes, c'est du Pac-Man. Et salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle petite revanche sur le bazar du grenier. Et on est parti du côté, c'est un nouveau fromage. On est parti sur Pac-Man 2 The New Adventure. Ça va faire 2 ans que j'ai plus joué à ce jeu maintenant. Du coup, je pense que ça fait suffisamment longtemps pour dire que je l'ai oublié. Donc Pac-Man, l'homme soumis, peux-tu aller en chercher? C'est toute une aventure hein, ce jeu. D'accord, alors ça, là où j'ai ouvert la boîte aux lettres. Pourquoi il a l'air triste? Non, il s'en bat les couilles. Ça va. David Gooden. Il est vénère! Il est déjà vénère, j'ai rien fait quoi. Il commence à bader. Ah non, putain. Ah non! Non, arrête! T'es sérieux? Excuse-moi! Simulateur de journée de merde. C'est legit, hein, j'ai complètement oublié. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça! C'est voilà, on peut lui dire Luke, il comprend pas. Le caillou! Le caillou, abruti! Non, ça va. Tu fais attention à l'araignée. Tu fais. Oui, par là. Non, pas. Non, non, par là. De l'autre côté, fils de. Comme ça, voilà, il passe, voilà, c'est ça. Sinon, il se fait engueuler. Ah putain. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ah, il s'en bat les couilles! Il s'en bat les couilles! Il se fait engueuler, il s'en bat les couilles! On dirait moi sur Twitter! On n'aime pas beaucoup les gens dans votre genre par ici, hein? Le foin, oui, c'est vrai, le foin, vous avez raison. Ouais, je crois que quand il regarde les vaches, il va mieux après. Regarde, il y a une vache. C'est beau d'avoir 2 ans, putain. Oh, putain, la vache, elle est dégueulasse. Il a peur des vaches? Alors attends, on va essayer de tirer sur le corbeau. Non, c'était une mauvaise idée. Je sais pas pourquoi je vous ai écouté. Peut-être je vais essayer de tirer sur le. Ah, il y a une poule qui s'est échappée. Ah, il a peur des poules aussi. Après une journée remplie d'échecs, Pac-Man rentre chez lui pour voir sa femme et son bébé affamés. Il n'a pas réussi une fois de plus à lui ramener du lait. Et tandis que ses pensées suicidaires remontent à la surface, il s'apprête à franchir la porte de sa maison. Il tremble. Heureusement, il sombre dans la drogue. Pour oublier. Miss Pac-Man, elle a envoyé chercher du lait, elle le voit juste voler devant la fenêtre comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Putain, il s'endort au milieu du salon, quoi. Ah, mais ce caca, quoi. Ce Pac-Man au RSA, quoi. Et maintenant qu'il regarde ça, on tire sur le corbeau. Ah, bien joué! J'aimerais être aussi heureux quand je trouve une bouteille, moi aussi. Ah, il est trop content, regardez sa tête. Ah, je vais baiser ce soir. Il est trop content. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Lucie. Prends le téléphérique et va cueillir des fleurs. Insupportable, je fais rien, j'appuie sur aucun bouton. Là, c'est le jeu, il joue à ma place. Ça, c'est une petite revanche tranquille. C'est une petite revanche comme je les aime, pas difficile. Ok, alors si je fais ça... Ah, oula, ok. Destination finale. Et tu regardes pas, tu t'arrêtes pas, putain! Il y a un panneau danger, tu t'arrêtes pas dessous, espèce de con! Vas-y, tu montes, là tu montes. Je crois qu'il y a un fruit qui rend heureux là. On est d'accord que c'est des champignons hallucinogènes. Mon fils, tu es un héros. Tu les guideras. Tu les mèneras vers un avenir meilleur. Tu les rouvres. Oh putain, je l'avais jamais vu celle-là. Oh putain. Vous vous souvenez de Pac-Man, le héros de votre enfance? Je contrôle plus rien là. Il y a un fruit bleu. Je vais me faire un cocktail de champignons. Le meilleur truc dans la drogue, c'est quand tu fais des mélanges. Ok, là on va prendre le bleu, on va essayer le bleu. Ça fait quoi le bleu? Oula, attendez. Il a une révélation, il est en train de comprendre le sens de la vie. L'univers. Les molécules. Tout s'assemble maintenant. Tout est clair. Tout se révèle. Le sens de la vie. Oh, il est prostré. Il en a plus rien à foutre, regardez. Ah non. Ah putain, il se fait bouffer par les chenilles. C'est horrible. Il s'est fait bouffer par des insectes dans la forêt, quoi. Un jeu pour toute la famille. Non, mais non. En fait, ce jeu, tu passes ton temps à droguer ton personnage. Donc là, il faut le rendre suffisamment heureux. L'ecstasy, ça permet de le rendre un peu heureux. Voilà. Après, le jeu, il est beau. Attends, qu'est-ce que c'est, ça? Est-ce que ça, c'est une corde? Oh, un lapin. Oh, putain. Assassiné par le lapin. Ah non, ça va. Faut se dire que là, le jeu n'a pas commencé encore. Hein. On s'en bat les couilles, ça n'a rien à voir avec l'histoire principale. Ah oui, ils lui ont volé sa guitare. Je sais qu'il y a 2 moyens de l'avoir, cette guitare. Oui, c'est bien.
Mais regarde devant toi. Oh putain de merde. Dégage, dégage, touche pas. Tu tires pas dedans. Tire pas. Éduquer un enfant, c'est simple. Tout ce qu'il faut, c'est de la patience et une bonne batte de baseball. Non mais en vrai, si t'as un enfant et qu'il se comporte comme ça, tu le laisses mourir. Hein. Là, le fruit. Mange le fruit. Non, regarde pas ça. Dans ta chambre. Dans ta chambre. Là, il est sous opium, là, visiblement. Je crois que si je mets... Attends, il me semble que si je mets une mandale au... Arrête. Arrête, regarde pas. En haut, en haut. Mais non, mais saute pas tes cons, il va... Oh, regardez, je suis un caca. Je suis un énorme caca, ne me regardez pas, je ne mérite pas. Est-ce qu'il a des pensées suicidaires? Qu'est-ce qui lui traverse l'esprit à ce moment-là du jeu? Ah, c'est terrible. C'est terrible comment c'est lent, ce jeu. Allez, allez, allez. Ah, mais non, j'ai raté. Oh là là. Allez. Allez. Ah, raté encore. Tue-moi. Tu peux pas fixer un endroit, quoi. Ah non, c'est chiant. Ah, ça y est, enfin. Qu'est-ce que tu fais? Non, ça va. Ok, j'ai eu peur. Bouge de là, bouge de là. You die. Ah non, Ortiz est tombé tout en bas. Oh non, s'il vous plaît, me dites pas ça. Oui, là, il a envie de se bastonner. Ah, là, il est chaud. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de me prendre le cul. Il est en train de m'enculer. Au secours. Non, tu fais pas ça. Tu fais pas ça. C'est va partir, celle-là, hein. Bon. Mais arrête d'être un fils de pute, c'est pas vrai, quoi. Touche pas. Touche pas le poulet. Non. Tu regardes pas la vache, t'es puni. T'en mettrais une, moi. Hein. Tu la vois, celle-là? Merde. Vous voyez à quoi ça ressemble l'enregistrement dans J'ai déjà la revanche? Et pourtant l'épisode à la fin il fait 7 ou 8 minutes, mais moi c'est 2 heures de ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Tue les enfants! Tue les enfants, mange-les! Attention à l'eau. Oh, il est con, mais c'est pas vrai, mais... Donc, on va recommencer tout le bordel avec les sauts, ça va être génial, on va se faire chier. Allez, saute. Allez hop, 2, 3... Putain, je déteste ma vie, quoi. Mon cul sur la commode. Allez, 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 allez. Non, mon... Tiens. Mais regarde pas dans la poubelle, mais il meurt dedans, mais quel fils de bite, quoi. Allez, allez, allez. Voilà, enfin. Attention, attention. Look, look, attention, attention. Look, 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 look. Tu look. Tu look. 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 Touche, touche, touche. Je m'en ai marre. Ça suffit. Nique ta mère. Voilà, c'est bon. Allez, merde. Doigt dans le cul. Va te faire foutre. Ça suffit, on en reste là. Le fun a des limites. Du coup, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur le bazar du grenier. Salut à tous, ciao pour la suite de cette revanche qui était géniale.